Salut et bienvenue à tous. Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est parti pour le Cameroun, pays considéré comme l'Afrique en miniature, où nous allons nous intéresser à ses artistes musiciens les plus riches. Découvrez donc dans cette vidéo sans commentaire qui sont les 10 artistes camerounais les plus riches en 2018. Avant de commencer, chers abonnés, nous tenons à vous informer que nous avons lancé une deuxième chaîne destinée à l'animation de courtes blagues au nom de James Anime. Faites un tour et vous ne serez pas déçus. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, le lien est dans la description de la vidéo. Mani Bella. Elle occupe la 10e place de ce top avec des styles musicaux tels que le Bikutsi, la World Music et a une fortune estimée à 1,1 million de dollars. Neuvième position, Pete Bacardi. Lui, il fait dans les styles tels que le hip-hop français et a une fortune estimée à 1,4 million de dollars. Huitième place, Grace Deka, encore une dame dans notre classement qui fait dans le Makossa et la Gospel. Sa fortune ici est estimée à une valeur de 1,9 million de dollars. Nous continuons toujours avec une autre dame au nom de Lady Ponce. Elle fait dans The Big Gucci et vient en cette 7e position avec une fortune estimée à 2,7 millions de dollars. Sixième position, Ben Deka. Quel est le chant de cet artiste que vous aimez le plus? Dites-le nous dans les commentaires. Il fait dans des styles tels que le Makossa et la World Music. Sa fortune dans cette vidéo est estimée à 2,9 millions de dollars. Maintenant, nous ancrons dans le top 5 avec Petit Pays, avec son genre musical africain. Même si aujourd'hui il ne fait plus trop parler de lui, c'est un artiste qui a bougé. Sa fortune ici est estimée à une valeur de 3,8 millions de dollars. Stanley Eno. En cette 4e position vient cet artiste qui fait dans le hip-hop et un peu plus présent sur les réseaux. Sa fortune ici est estimée à une valeur de 9,1 millions de dollars. Troisième place, Richard Bona. Lui, il fait dans des styles tels que le jazz, le funk, la world fusion. Il vient ici avec une fortune estimée à 9,7 millions de dollars. Ensuite, la deuxième place de notre classement occupée par Manu Dibango, faisant dans la rumba africain, l'afro-funk, jazz et bien autres. Sa fortune ici est estimée à une valeur de 9,9 millions de dollars. Première place, Yannick Noah. Yannick fait dans des styles comme le reggae, la world et bien autres styles. Il décroche dans la première place de notre classement avec une fortune estimée à 13,8 millions de dollars. C'était 10 artistes camerounais les plus riches en 2018. Avez-vous des suggestions par rapport à cette vidéo? Si oui, dites-le nous dans les commentaires, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Bye bye!